Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de nos vidéos donc avec ce genre d'objectif. Alors c'était un petit projet qui me trottait dans la tête depuis quelques temps, et puis sur Race Room Racing donc avec tout le contenu débloqué, il y a la possibilité d'accéder à cette magnifique Zonda R et à la Nordschleife, ce qui m'a donné envie de créer cet objectif donc, et d'aller chercher le fameux chrono détenu par Marc Bassingue, hein, qui est le record de la boucle du Nordschleife en 6:47:50, hein, battu en juillet 2010. Alors Ferrari et sa magnifique 599XX avaient battu le record en avril 2010 en 6:58:16, et bien après rebattu donc par Pagani et sa magnifique Zonda R en juillet 2010 sur cette boucle nord donc, et ce tracé terrible, hein, qu'on surnomme l'enfer vert. Donc j'ai pris le volant de cette magnifique voiture, donc on le sait dans Race Room, hein, qui est une superbe simulation, c'est quand même une voiture qui a beaucoup d'appui, qui marche phénoménalement bien, mais qui est quand même très difficile à conduire. Donc ça a été vraiment un véritable défi que d'essayer d'aller chasser le chrono sur ce tracé-là, où on sait qu'une erreur arrive vraiment très 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 vite. Surtout avec ce genre de véhicule et une puissance absolument démoniaque de 750 chevaux pour une voiture qui accélère le 0 à 100 en 2 secondes 6. C'est absolument phénoménal avec donc ce V12 AMG. Hein. Chose juste que je n'ai pas compris, c'est donc il est très important de le souligner, c'est pour battre ce record, c'est que la vitesse de pointe de la Zonda dans le jeu est limitée à 300 alors qu'elle est annoncée constructeur à 350, et qu'il me semble que sur la vidéo du record du tour que vous pouvez trouver sur internet, eh bien la vitesse de pointe est meilleure que 300 km/h aussi. Donc ça aura bien entendu une grosse carte à jouer, parce que finalement la ligne droite de la Nordschleife est vraiment très 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 longue, et ça peut être vraiment préjudiciable si la vitesse de pointe est limitée, et donc ça va être très compliqué. Donc 5 secteurs ici sur ce tracé absolument fantastique. J'adore ce tracé, il fait vraiment partie de mes tracés préférés, et à force de l'écumer, hein, sur plusieurs jeux vidéo, ça a commencé sur la Xbox avec Project Gotham Racing 2, et à l'époque c'était la Enzo, et bien du coup c'est un tracé que je connais par cœur, et c'est vrai que le faire avec le volant à chaque fois, c'est quand même assez exquis. Donc on va regarder ce tour ensemble. Et pour l'instant, hein, ce sont juste une manche d'essai, hein, que j'ai fait, avec un ni plus ni moins qu'un entraînement. Hein. Alors la première partie du tracé qui est terminée, on attaque donc la deuxième ici. Et là on va attaquer, on va sortir et attaquer la remontée. On est au point le plus bas du circuit, et on a cette fameuse montée donc, hein, qui est très très longue à Arenberg et Prostabé, et on va attaquer jusqu'au tout en haut du circuit Bergweg Kelsenchen. Alors les prononciations sont très dures, hein. Et là ici c'est vrai que vous le voyez, on va à la vitesse de pointe finalement sur la voiture qui manque un peu de coffre, hein, sur les derniers kilomètres heure et sur la sixième. Alors c'est vrai qu'on se demande tous quand est-ce que Ferrari va répliquer avec sa nouvelle voiture, hein, qui est ni plus ni moins que l'évolution de la Ferrari, mais pour la piste, hein, qui sont ni des voitures de course parce qu'elles ne sont pas homologuées FIA, ni des voitures homologuées pour la route, hein, ce sont vraiment des voitures pour les gentlemen drivers, la Zonda R en fait partie, et c'est des voitures faites vraiment pour aller sur circuit entre amis fortunés le week-end, et s'éclater en bon coup. C'est vrai que ça fait rêver beaucoup de monde, et donc on attend vraiment une riposte de Ferrari pour savoir où est-ce que cette FXXK peut se placer. Je pense sur les 630, et c'est à l'annonce de Ferrari aussi, hein, donc c'est une voiture qui a quand même 6 ans de plus que cette Zonda R, même 7 ans même, donc ce record est largement envisageable, très loin encore des immenses standards de l'époque et de ce fameux tour en 611
pendant l'épreuve du Nürburgring, donc, qui date de 87, il me semble, avec la Porsche 956 de Stephen Beloff, en 6, 11 et 13 centièmes exactement, pour parcourir les 20 km 832, c'est absolument énorme. Et donc avec ce fameux record de Stephen Beloff, eh bien c'est mon prochain objectif, c'est avec l'Audi R18 d'aller chercher ce record, hein, donc l'R18 qui n'a absolument rien à voir avec la Porsche 956 de l'époque, parce que vous saviez à l'époque c'était des voitures qui étaient censées rouler aux 24 heures du Mans, hein, et sur une Audi R c'était entre 350 et 400 km/h de vitesse de pointe, et que ces bien nouvelles voitures, ces nouveaux LMP1, hein, ces proto du Mans, atteignent difficilement les 300 km/h, donc beaucoup de couple, beaucoup d'appui, ça il n'y a pas de souci, mais la vitesse de pointe a été énormément réduite. Donc c'est toujours pareil, c'est le même problème que j'annonçais tout à l'heure sur cette très très grande ligne droite qui va arriver maintenant. Ça va être relativement très très compliqué. Donc on l'a vu, hein, avec un dernier secteur de ce tracé absolument exceptionnel, hein. C'est vraiment de loin mon préféré. Donc 33 virages à gauche, 40 virages à droite sur ce tracé pour un total de 73 virages. Tout le long des 20 km de ce magnifique tracé. Et prochain objectif, donc réaliser et passer un chrono en dessous des 6.11. On va déjà voir si celui-là arrive en dessous des 6.47. On se souvient tous, hein, que c'est sur tracé que se déroulait le Grand Prix d'Allemagne à l'époque. Et c'était phénoménal à l'époque, parce que un Grand Prix de Formule 1 sur un tracé aussi long, ça paraît absolument impossible aujourd'hui. On sait que Niki Lauda avait brûlé dans la voiture ici et avait quand même réalisé un chrono de 6.58 sur la totalité des 20 km sur une voiture de 76. C'était quand même pas mal du tout. Et on va boucler ce tour et on va donc voir où est-ce qu'on se situe. Pour l'instant le chrono est pas mal du tout et ça va être large. Et oui, 6.41, 5.61, et pourtant vous l'avez vu, hein, en tout début de tour, j'ai fait une petite erreur dans ce petit virage, j'ai freiné un poil trop tard. Et du coup, bien, il n'y a pas de souci. Le chrono est quand même passé. J'étais large, j'aurais même pu aller plus vite. C'est fort intéressant. Alors à tous, hein, tous nos auditeurs, tous nos viewers, tous nos youtubeurs et facebookers aussi, on va dire. Je vous invite à partager ce tour également, hein, le vôtre, hein, c'est pour ceux qui sont possesseurs de Race Room Racing sur leur PC et qui ont donc la grande boucle avec la Zonda R. Partagez ce tour, ça va être très intéressant de comparer un peu les chronos, et c'est un chrono largement qui peut être bien amélioré encore, et j'ai hâte de voir ça, s'il y en a certains bien entendu qui possèdent ce jeu absolument fabuleux. Donc je vais vous laisser avec le replay de ce tour ici au Nürburgring. Moi je vais vous dire à très vite pour la F1 qui se déroulera en Russie et bien ce week-end, et on se retrouve au prochain objectif avec la Audi R18 sur Race Room, au même endroit ici sur la grande boucle. Allez, en attendant, portez-vous bien, salut à tous. Oh!
Thank you.